On y retourne. Mother. Donc je pense à la clé. Je pense au chemin. Le bébé, il est bien. Le potato, il est bien. Mais bon, j'ai pas forcément envie de perdre mes cœurs tout de suite. On va prendre ça, hein. Allez. Oh, la bombe qui met bien en plus, la directe. Du coup, il y a des cœurs bleus. Je vais peut-être les laisser voir si je peux jouer à la Sacrifice Room. Mais le bouquin, il est pas mal, non? Des pilules. La glace, elle est vraiment pas mal. Hein. Recharge. Il y a encore des cœurs bleus. On peut avoir beaucoup de cœurs bleus là. Car ah, tous les cœurs bleus sont pas des cœurs rouges, je vais pas pouvoir jouer la sacrum, mais... On va pas se plaindre d'avoir 4 cœurs bleus qui traînent. Bon, on prend l'écureuil et on avance. Ça me va aussi. On a bien des bombes là pour classer ici quand même. Pour être intéressant. La glace, elle est bien contre ce boss en plus. Par contre, il est un peu coincé dans le mur là. Vas-y, sors d'ici. Elle est chiante cette salle contre lui là. Avec tous les trucs autour. Les cailloux qui bloquent là. Ben voilà, des bombes normalement. Yes. On va aller les péter en bas. Deux de pique. Ouais. Ça me va. Du coup, on est sur Mother. On peut faire après. On n'est pas obligé d'y aller tout de suite. Et là. Pas mal le start. On a des ressources. On a des... Merde. On a des ressources. Bien ça. Un autre conjoint, ok, déjà. Déjà deux. En plus, le saignement, il est vraiment pas mal sur lui. Putain, mais... Les petites araignées, la petite mouche jaune, là, qu'on voit pas. Mmh.
Oui. Prendre comme ça, ça dégage. Le diable, l'ermite. Ouais. Peut-être qu'on a une secrète là. Claude, s'il y a une secrète pour aller en challenge room ou pas là. Hein. Ça peut pas. Ok. Non, je serais été tenté. Bonne Mother, tu tombes sur une seed où tu n'as pas de clé. C'est assez rare parce qu'il faut quand même que t'aies aucune clé quoi. Genre ni à B1, ni à B2, ni au shop, rien du tout. Ça peut arriver quand même, mais quand c'est comme ça, t'as toujours l'option d'essayer de choper des items qui t'ouvrent la porte quand même. Il y en a quelques-uns. Et après, il y a des trucs sur les conventions de streak un peu. Tu vois, les gens se sont mis d'accord sur certaines choses. Et les gens se sont mis d'accord que si vraiment t'es une seed ou t'es coincé, tu peux... ne pas la compter. Genre tu l'as fini et tu la comptes pas et tu passes à... tu refais une Mother celle d'après. Dans le rare cas où vraiment t'es coincé quoi. Après certains argumenteront et diront que quoi qu'il arrive dans Isaac tu peux toujours game break et du coup tu peux toujours refaire Mother. Ce qui est pas faux mais il faut de la patience quoi. Quand on voit certains streams de Game Break, on se dit que bah oui, il y a toujours moyen. J'ai plein de cœurs là. Vas-y, j'ai envie de jouer Dédé. Ouah, le bon call. Conjoin de couteau. Zeti part. On peut pas toujours Game Break. Bah franchement, si. Quand on voit ce qui se passe... t'es pas parti au début pour le faire, ça va être dur. Après, t'es pas parti pour le faire, mais tu le sais très vite que t'as besoin d'une clé pour aller à Mother. Donc, ça se fait, tu vois. Mais faut... c'est chiant. On peut avoir certains patterns aussi. Mais tu vois, tu peux game break du coup à partir de B2 parce que tu sais que t'as pas de clé, que t'es coincé. Les laits existent. Ah mais si on peut plus prendre de blind, on fait plus rien dans ce jeu. Prendre des blinds. Hein. THD, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal aussi. Sur ça pour l'instant. Sachant qu'on peut ouvrir ça après avec le vol.
Ça avec le vol en plus c'est facile à buter, donc éventuellement on peut le repasser en fantôme si on est chaud. Ça se fait. Relax. Ah oui, c'est vrai que j'ai full caca. Alors, est-ce qu'on ouvre ça? 3 pièces pour une clé. Si, parce qu'il y avait des trucs à acheter peut-être au magasin. Allez, vas-y. Viens là. Explose lui. Je l'explose en normal et en miroir, le pot. Mais en plus, on va avoir la machine miroir là, non? Intéressant. Des araignées qui traînent ou pas là, je vois rien. À cause des caca, j'ai pas vu. Ok. On va faire le grand, la grande salle caca. Y a un gros trou au milieu, mais bon, c'est mieux que rien. Y a pas d'autres grandes salles de toute façon. Mieux là. Oh non, je vais avoir 1000 caca. Je vais avoir la limite max, non? Un peu le bordel. Acheter des trucs, hein. C'était la speed. Non, c'est HP. Non, mais j'ai pas besoin d'HP. Je suis full déjà. Ce pognon qui traîne. Alors du coup, il faudra que je revienne si je veux acheter des trucs dans l'autre magasin. Ça peut être une option aussi, hein.
qu'on a de la marge. La carte caca qui aurait été grave rentable. J'aurais pu par exemple acheter le truc pour avoir la... Avoir la porte tranquille quoi. Bon, vas-y, je peux le prendre, j'ai plein de pognon. On va peut-être refaire l'étage... Non, quoique on est arrivé au bout là. Ok, par exemple. J'ai ma clé. Et on part ici. J'ai pris la clé, hein. Mais c'est bon. Je me suis fait peur. Là, en plus, je m'étais enlevé l'item du shop. C'est vraiment mal foutu. Emilia. J'aime pas Blancard. Bah, j'ai une carte ermite, donc ouais. Pas trop d'intérêt. Le bouquin, il me donne un peu de toutes les ressources. Est-ce que je prends le coffre rouge? J'ai un Gups. J'ai deux Gups. Allez, on le prend. C'est sûr. C'est obligé. Guppy, c'est pas dingue avec le couteau. En tous les cas, c'est au moins le vol. Qu'est-ce qui m'a touché? Et ça proc avec le couteau quand même. Pas beaucoup, mais... Ouais. Sympa les HP up, mais bon. Ah, j'ai Sharp Plug. Peut-être que j'ai appuyé sans faire gaffe. C'est vrai que j'ai pris Sharp Plug. Hein. J'avais même pas fait gaffe, j'avais pris Sharp Plug. J'ai pris des trucs parce que j'avais du pognon. Mais pas Genova, pour lui c'est une sauce pour les pâtes. Le homing avec le couteau. Oh. Non. C'est une sauce pour les pâtes, j'ai pas la ref non plus. C'est quand les FF? C'est bientôt, ouais. Bientôt le stream FF, vous inquiétez pas. Pâte à la genovaise. Pardon? Non, ça me dit rien. C'est les bourses. Ah oui, t'étais au live Final Fantasy alors, ouais. Bah, let's go, hein. J'espère que c'était bien. C'est le genre de musique qui est trop cool, je pense, en orchestral. Hein. Vraiment bien en orchestral. Hein. Comme d'Isaac, c'est mieux. En cul.
On veut pas tout ça. Hein. Je pense pas que j'en ai besoin. On va pas trop booster la portée du couteau et. Des fois on veut, et avec le conjoint on peut se poser la question parce que des fois le triple shot est pas pratique à utiliser mais. Alors, ça va venir du tier rate, on va prendre le blood clot. Que je veux âme d'Isaac sur un item. Non, en plus c'est un bon item, donc je le prends. Hein. Les ennemis? Ah oui, les ennemis. Et bon. Âme d'Isaac, elle donne, comme Tainted Isaac, elle montre un deuxième item derrière qu'on peut choisir. Ce serait mieux de pas s'en servir sur un seul item, je pense. Ça, on n'a pas besoin. On peut avoir une secret, j'ai déjà. Ça, c'est bon. Je sais plus si j'ai appuyé sur tous les boutons. Non, reste des boutons. Oui, il est bien le haricot confit. On pourrait mettre âme d'Isaac ici aussi, hein, mais bon. Je vais la garder pour un Devil Deal plus tard, je pense. Un Devil Deal où il y aura 2-3 items. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe la porte, c'est 2 hits, mais ça ira. La carte là ouais. Allez hop c'est bon .
On avance. On avance. La DMC, la musique de Hotline Miami, je vais parler très fort par-dessus. Comme ça, YouTube ne l'enlèvera pas, l'hémophage. Ouais, bah, des fois, il y a des musiques, des vidéos qui sont strikées, hein, des fois, non. Ça dépend, des fois, je les enlève, des fois, je les enlève pas parce que je les aime bien quand même. Je me dis. C'est triste de plus du tout les avoir dans la playlist. Et de toute façon, je fais pas beaucoup de sous-sous avec YouTube. Alors bon, peut-être qu'un jour j'en ferai plus et voilà quoi, mais bon. Mais. Ah, c'est un peu tard ça, c'est dommage. C'est un peu tard ça. YouTube, c'est pas la priorité. Ouais, bah. D'ailleurs, ça y est, ils ont mis à jour leur paiement là. Ils font des trucs. Où les paiements sont full décalés. J'étais en mode, mais c'est écrit. Qu'il y en a pour, qu'il y en a pour 25 balles et c'est écrit que vous me payez 3 euros. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ils sont où les 25 euros qui manquent? Mais en fait, c'est bon. C'est juste que je pense que ça prend pas mal de temps à se mettre à jour. Et comme quoi, moi je m'attendais vraiment à faire 30 centimes d'euros. Hein. Et en fait, avec une toute petite chaîne, je suis vraiment à la limite des 1000 pour avoir les revenus. À 1000, tu peux avoir les revenus pub sur tes vidéos. Et 1000 abonnés. Et là, je crois qu'il y a 1050, un truc comme ça, donc je suis vraiment proche de la limite. Et bah quand même, voilà, ça rapporte plus que je pense, plus que je pensais. Pour vraiment une toute petite chaîne, du coup, enfin, toute petite dans le sens, le minimum requis pour... Actorb, ouais. Le minimum requis pour le truc, tu vois, pour la limite. Et pourtant, bah... quand même 25 balles quoi. Après, face à l'effort pour sortir les VOD, bon maintenant j'ai mon habitude donc j'arrive à faire quoi ça ? J'arrive à faire en sorte d'aller plutôt rapidement pour faire des miniatures et tout. Mais bon. Quand même pas très rentable en temps passé et tout. Place de carreau, ouais. La boule de cristal, est-ce que je mets mon âme d'Isaac ici du coup? Ah bah là j'ai deux items. Ça donne envie quand même. Roman. On va prendre Stroman. Le gardien en peluche en français. J'ai rien à faire ici, hein. Je me casse. Il va pas faire grand chose. Hein. Maro est mieux, hein. J'ai pas besoin de tears up là. Comment ce bro, il y a une salle de sacrifice. On peut le jouer. Merde, j'ai pas vu.
Ah oui, Stroman, il fait ça par contre. Remarque, ça me coûte pas. Ah, mais ça proc le. Oh là là, mais dinguerie. Roman, en vrai, trop bien. Homme de paille, hein. C'est ça la trad. On se calme dans le chat. Il y a une personne à ban, je sais déjà qui je ban. Man, c'est épouvantail. Hein. Titis. Attends, il y a moyen de la faire cette sacrum ou pas là? Et un peu plus TP. Je sais pas si elle sert à quelque chose d'être faite. Ok. C'est bon. Bon. On va s'en sortir. C'est qu'il vole pas lui. Il vole pas. Il va crever. Pas comme ça, Stroman. En plus, il y a une autre sacrum. Attendez, il peut prendre les 25 cents, non? Incroyable. Mais non, c'est l'autre con qui l'a pris. Putain. Roman. Pas comme ça. En plus, il me donne pas les stats quand je l'achète avec lui. C'est dégueulasse. C'est pas lui qui a l'item, mais bon. C'est triste quand même. Bon, bah, Stroman, tu saoules. Hein. Saoule le Stroman. Chokeman. Stroman. Pas grave, mais ça fait chier. On aurait été mieux avec quand même que sans. On n'a pas besoin de ça pour win, mais c'est quand même triste. Terrible. Hein. On est bon, oui, on peut avancer. Faisais confiance. J'ai toujours mon PhD quand même. Hein. Attends, il y avait rien dedans. Ah si là. Ok. Fait augmenter, gloops. Ok. Mmh. Voyez, on fait quand même des dégâts, mais bon. Et il m'a piqué mon proto quoi. Proto couteau, c'était pas mal. Hein. Mmh.
On va faire une TP Mother pour être tranquille. On va quand même tenter du Guppy, je pense. Et ben voilà. En plus, c'est vraiment safe comme item. Donc on va, en plus de Guppy, on va être heureux d'avoir d'avoir gagné plein de cœurs. La salle rouge qui est affichée, mais pas beaucoup de chance que je tombe dessus. Hop. On va finir tranquille. Hein. Du coup, on peut prendre deux. Hein. Roman, il prend un HP, ça sert à rien, mais il prend. Ah si, il a des stats. Ah non, parce qu'il a pas le lunch machin, je sais comment ça s'appelle. Est-ce qu'il va survivre? Je vais le mettre devant. Je le protège. C'est Britannouille. Bienvenue en direct. What? Elle a fait le son genre grave en avance. C'était bizarre le son. Genre elle a été freeze, elle a fait le son. Elle a quand même bougé. What the fuck? Ok. C'est une win. Je vais pouvoir streamer plus souvent à 6h. Ouais. C'est peut-être ça la solution. Pas mal. Bon, run un peu classique. On s'est fait voler par Strowman. Mais bon. Finalement, on s'en sort bien.